Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance pour les poissons pour les 15 derniers jours de juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons, s'il vous plaît? Allez, un petit peu. Ouais, beaucoup trop, beaucoup trop. Hop, on. S'il vous plaît. Allez, pour les poissons, une petite carte. Voilà, merci. Pour ces 15 derniers jours de juin 2021. Bon, il y en a trop là aussi. Hop. Allez. Une ou deux, mais pas plus. Merci. Une ou deux, mais pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Pour les poissons, on a la perception, on a la croyance qui revient, on a les épreuves. Ok. Alors, tu vois, on nous dit la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. On a la carte de la perception qui vient nous faire prendre conscience, justement, nous demander de regarder quelles sont les épreuves que nous sommes en train de vivre, d'accord, en lien avec nos croyances. Croyances, alors là, on me dit, ça peut être autant des croyances positives que des fausses croyances ou des croyances limitantes, d'accord? Et je pense d'autant plus qu'on a la carte des épreuves et la carte de la déesse de la lune qui est inversée, qui représente le fait qu'on ne soit pas connecté justement à notre centre, à qui on est, à notre puissance divine. Là, on demande aux poissons d'aller ressentir, parce que la perception, c'est un ressenti, d'accord? Ça vient de l'intérieur, de se reconnecter à l'intérieur pour ressentir ce qui se passe par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, qui est un peu difficile et qui vous empêche d'être connecté à vous-même. Et dans tout ça, à un moment donné, il va très certainement falloir, alors peut-être pas sur les 15 derniers jours de juin, ou peut-être que si, ou peut-être on verra avec les guidances de début juillet, mais se défaire de choses, de croyants justement qui ne sont plus adaptés. On est vraiment sur cette dynamique hein, de se défaire en ce moment, de clôturer des cycles. Donc c'est très probable qu'à un moment donné, ces croyances dont vous aurez perçu qu'elles sont à l'origine de ce que vous êtes en train de vivre, il va falloir les libérer. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.